On se demande de quoi ça va avoir l'air, la météo, dans 25-30 ans. Bonjour et bienvenue au Canal Météo. Eh bien, aujourd'hui, on a une belle journée, vraiment une journée youp-lay-dou, tigidou-lay-lay. On a un beau soleil. Par contre, la visibilité est nulle, due à un smog très, très dense. D'ailleurs, pour les gens qui ont des difficultés respiratoires, si vous êtes obligé de sortir, on vous conseille de marcher à quatre pattes. D'ailleurs, ça me fait penser à une bonne blague. Bon. Alors, ce matin, la marée basse était à 5h37, la marée haute sera à 14h32 et pour le reste de la journée, ce sera la marée noire. Donc, en résumé, du soleil. Par contre, en fin de soirée, peut-être un peu de pluie acide. Donc, profitez-en pour recharger vos batteries. Allons voir pour les destinations vacances. Alors, tout d'abord, pour les... Oups, c'est un peu fort, là. Ah, mon nez! Bon, allons-y à Capella. Alors, comme je disais si bien avant que je m'interrompe, pour ceux qui veulent une destination soleil, il y a la région de Sept-Îles où on affiche un beau 34 Celsius avec du soleil. Et en ce moment, avec l'ouverture du nouveau Club Med et les palmiers qui sont en fleurs, c'est vraiment le moment idéal pour s'y rendre. Par contre, avec la montée des eaux, il serait préférable de louer une chambre au troisième. Bon, pour ceux qui préfèrent la Gaspésie, c'est très beau aussi, il y a du soleil, la mer est calme. Alors, profitez-en pour aller faire de la plongée, pour aller voir le rocher percé, tiens. Par contre, il y a quand même un danger de malaria dans les environs, alors faut être prudent. Pour ceux qui auraient le goût de vacances de ski, il y a la région de Cuba qui a reçu un bon 50 cm de belle poudreuse. Et étant donné que la mer est gelée tout autour, on peut même s'y rendre en voiture. Et profitez-en, un coup rendu là-bas, pour participer aux festivités entourant l'anniversaire de Fidel Castro, qui aura 116 ans cette année. Alors, bonne fête, Fidel! Donc, en résumé, une très belle journée aujourd'hui, avec du soleil à peu près partout au Québec, particulièrement à Montréal. Donc, soyez prudents. Prenez de la 40 pour protéger votre peau et un 12 pour la défendre, car c'est le défilé annuel des gangs de rue qui gagne de plus en plus d'adeptes avec son défilé là, de chars volés allégoriques. Enfin, alors, en ce moment, dans la plupart des lacs et rivières, le mercure indique 34 degrés Celsius. À plus tard.